importante. Pour l'instant, on va déshériter personne. On va essayer de conserver des bons trucs. Lui, il perd de la bouffe. Ça va. Je viens de perdre mon maréchal, c'était pas mal. Le problème c'est que lui il dirige mes armées. Après j'ai quel âge? J'ai 13 ans. Le 8 mai, d'accord. Ah oui, je commence déjà avec un stress de fou. Ok, d'accord, ça va. Ça serait bien que ce château tombe rapidement. En 4 mois, ça peut le faire. Si on arrive à prendre Sousse derrière. Parce que là, lui, il a pas trop de bouffe, hein. Il a quasiment rien pris, donc il va perdre de l'armée. On pourra peut-être les combattre. J'aimerais juste savoir où est l'armée. D'accord, lui, faut qu'il se bouge le cul. Moins 28, ça fait mal par contre. Faction pour la liberté. Exiger une autorité de la couronne basse. Ça, je pense qu'on va devoir l'accepter. On n'aura pas le choix, mais ok. D'accord, merci d'être passé, Gigi Golo. Passe une bonne soirée, une bonne nuit. Technique de guérison, les baffes. Ouais, bah ouais. Et sniff, c'est sûr. Mais bon, 80 ans, elle a bien vécu. Alors malheureusement, on aurait aimé qu'elle vive 2-3 ans de plus pour bien enseigner à son héritière. Mais en soi, on n'est pas si mal que ça. Hein. Bon, 17 ans, là, c'est un peu long. Mais siège réussi. Prisonnier. Est-ce qu'on a de l'argent à se faire un petit peu? Oui. Allez, on en est où là? Par contre, c'est vrai que piété, on est juste dévoué. Ce qui est pas énorme. La prestige, on est juste établi. On va passer à célèbre bientôt. Avec le gain qu'on a, mais. Bon, après, bon, bah, les impôts, les emprunts, ça, on va devoir faire avec, hein. Ils sont en train de prendre 6% par mois parce qu'ils sont affamés. C'est beaucoup, 6% par mois quand même. Pour un siège minable. 3 mois pour prendre la capitale. Oh bah c'est parfait ça. Défi en diplomatie, défi en martialité. Ok, bon, bah il a arrêté. En même temps, je suis un peu l'impératrice, donc bon, brutaliser l'impératrice, je pense pas que ça soit la meilleure des idées qui soit. Hein, mais bon, il y en a qui ne doutent de rien. Par mois, ça fait tellement mal. Ah, vous allez me dire, je prends aussi ça, mais bon. Après, en ayant la capitale, je peux peut-être faire quelque chose, quoi. Il me restera que Ifni à prendre.
Et après, il va falloir remonter vers le nord. Et si on arrive à rendre ce roi assez puissant, il pourra partir sur l'Aquitaine. Bon, l'Empire byzantin, ça m'étonnerait. Mais déjà, si on peut tenir un peu le siège là. Ce qui m'inquiète, c'est ça. La faction, bon, 32 mois. 32 mois, c'est à peu près acceptable, mais... Allez, 50 pièces pour réduire un peu le... Ah! La culture a été promue là où je voulais. Donc déjà, ça va être pas mal. On va promouvoir la culture ici, sur la capitale. Là, il reste 2 mois, ok. Et là, c'est sous 4 mois. Points par jour, il doit pas avoir de défense ou quasiment pas, hein, c'est pas possible. Sa culture doit vraiment être en retard par rapport à la nôtre. Bon, la dette se creuse, hein, c'est abyssal, mais bon, pour l'instant, pas le choix. Tant qu'on n'est pas majeur, on n'a pas les gains qu'on peut avoir. Bonsoir à toi, Blazer. Ok, une brèche, ça c'est bien, tous les 18 jours. Oui, qui s'amuse. Oh, notre dynastie est importante. Elle n'est pas encore célèbre, mais elle est importante. Attendez, comment ça, pratique religieuse a été invalidée? Par contre, ce que je vais faire pour faire peur à certains, y en a quelques-uns qui vont y perdre la tête. Ça devrait en calmer quelques-uns. Peut-être que... Ah, ils vont me foncer dessus en fait, ils y vont, hein. Ah oui, le secret en sorcellerie, ça je prends. On n'a pas le 100%? Parce que... Ah d'accord, à cause des batailles, ok. Quand même 27 ans! Putain, il est violent, hein. Ne jamais abandonner, intérêt chevalerie, ouais, joli. Ok. Alors, toi, accorder des titres. Transférer vassal. Si c'est pas beau ça. On a commencé à prendre le sud du Maroc. Maintenant par contre, il va falloir tenir le territoire. 14 ans pour lever certains territoires, ça va être showtime. Hein. Il va falloir remonter notre économie à fond.
On va voir si les gars veulent bien se calmer. Serait parfait, mais bon. Voyons voir. Toi, t'as quoi? Toi, t'es en guerre. Toi, t'es en paix. Toi, t'es en paix. Toi, t'es en paix. Toi, t'es en paix. Et ils sont bien tous alliés entre eux, hein, mais. Ouais, il faut vraiment qu'on augmente la puissance de nos vassaux. Il n'y a pas. Pas vraiment le choix. Malheureusement, il n'y a pas vraiment le choix. Par contre, en termes d'empire, ce qui est bien, c'est qu'on est en train d'intégrer des royaumes. Dans l'empire d'Aura. Donc, ça. Dans approximativement 82 ans. Ça, dans 67 ans. 58 ans. 82 ans, ok. On verra peut-être pas de ça de la partie, mais bonsoir à toi, Alex Pay. Alors, dans 10 mois, normalement, on a remis notre économie à flot. Notre puissance réaugmente un petit peu, donc déjà, ça va baisser normalement. Enfin, lui, normalement, il nous apprécie, donc. Cour règne, ok, guerre offensive, ça descend, légèrement endetté, ouais, bon. Est-ce que quand même, toi, on pourrait pas... Non, j'ai pas encore, parce que je suis pas adulte. Et j'ai 15 ans, et on attend 8 mai, d'accord. Bon, bah cette année-là, normalement... Cette année-là... On devrait regagner de l'argent parce que bon bah bien sûr on n'a pas les bonus encore d'intendance. Mais bon déjà en étant à peine majeur 12, 15, 15, 17, 15. Bon. C'est-à-dire que. Hein? Bah mon maréchal il est. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Alors, est-ce que c'est pas de la bonne... Pourtant, si, bien la bonne culture. Je sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Ça devrait pas, hein, normalement, mais je sais pas pourquoi ça prend autant de temps. On a de l'administration médiocre encore une fois, mais bon. Ah! Bâtisseur de fortune. Oh ça c'est bien ça, bâtisseur de fortune. Ouais, c'est pas le meilleur, mais ok. Enfant autoritaire, ok, bien. Parfait. Donc déjà, j'ai envie de partir en intendance parce que clairement, là j'en ai besoin. Je pense qu'architecture plus avare pourrait être utile. Donc on va... Je pense partir sur avare dans un premier temps. Et après on partira sur architecte. On va accepter le mariage. Allez, on va espérer d'avoir un héritier rapidement. Bon, déjà, dans 2 mois, les autres vont se fâcher. Mais il y en a plusieurs qui devraient se calmer, donc... Je suis devenu chef de la culture à Oussa. D'accord, bon, bah là déjà... Il y en a un qui a quitté. Ça serait bien que lui aussi il quitte, mais... On va voir. Si ça se passe bien, on peut peut-être passer. Ouais. Ah non, je me disais. Après,
J'ai l'armée qui remonte. Faudrait que lui il parte déjà. C'est 12%, ça pourrait être en dessous. Bon, il prend un plus 3. Est-ce que. Est-ce que lui veut partir? Bon, bah tout va bien. On a évité la faction d'Arien. On va quand même le marier lui, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on le marie pas. Bon, il a Herculéen. Est-ce qu'on a total des aptitudes ou quelque chose? Génie, à la rigueur. On va quand même leur mettre des enfants. Ça aidera la dynastie. On a trois ducs hein, en dehors de. Bon, voilà, l'argent est à 14. Oh purée, il y a de gros problèmes quand même. Alors je vais regarder les territoires qui ont des points rouges. Non, ils ont juste des pertes de contrôle, mais à part Rano. Où j'aimerais bien que l'administration médiocre saute. Tout le reste, c'est enlevé de lui-même. Par contre, l'argent est pas là, hein. Ça a pas l'air d'avancer là. Augmentation plus 0. Ok, d'accord. Jusqu'au 25 avril. D'accord. Bon, ils sont fâchés, semble-t-il. Bon, on va le mettre à Rano, tant pis, parce qu'il faut qu'on bloque, hein. Faut pas que ça descende en dessous de 92. Pour l'instant, c'est bloqué, là, ça va augmenter, donc ça, c'est pas un problème. Ça prendra 0,05, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. On va essayer de tenir un petit peu ce qui peut être tenu. L'Empire byzantin. 33 000 troupes. Donc pour l'instant, c'est même pas la peine d'y penser. Ravenna, il y a 1000 troupes et c'est en guerre contre l'Apulie, semble-t-il, qui appartient à l'Empire byzantin. Ouh, ça c'était bon par contre, ça c'était un beau gain. Ça va prendre 0,09. Par contre, pourquoi le maréchal fout rien, ça je sais pas. Ça je sais pas du tout. Toi t'es quoi toi? T'es pas de la bonne religion et toi non plus. Ça pourrait être de la bonne prise de territoire. C'est ce Djenné et ça. Par contre, il faudrait qu'on finisse la conversion de Janet. Ça me plairait bien. Et mon Magagnagna m'approuve pas. S'il veut pas m'approuver plus que ça. Pourquoi tu m'aimes pas? Ambitieux, co-règne, groupe culturel étranger. Ah, t'es Wolof. Ah, nous avons un enfant. Enfin, nous allons avoir un enfant. Alors, on espère une petite fille. On va peut-être partir sur du patronage. Parce que j'ai besoin d'avancer ici. Donc, on va prendre le patronage pour avancer plus vite sur les prérogatives royales. L'argent revient, doucement mais sûrement. L'armée, on n'est pas. Enfin, 13 800, c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme, malheureusement. On a 11 champions. On peut pas avoir plus de champions que ça?
Ok. Bon, en tout cas, il va falloir. Alors, toi, t'es quoi? Toi, t'es de la famille. Toi, t'es de la famille aussi. D'accord, les deux là sont de la famille. Ce qui m'embête un peu parce qu'il va falloir les attaquer à un moment. Parce qu'ils ont beau être de la famille, ça m'aide pour l'instant ici, mais après ça m'aidera pas pour pour le reste. Sari, toi t'es d'accord. Le Mali, bah le Mali m'embête en fait. Le Mali c'est mon principal souci dans le territoire. Le Ghana, on va dire qu'il est, c'est réglé. Djéné, on va pouvoir l'intégrer. La Guinée, ok. Toi, on pourra utiliser des revendications pour te faire sauter, c'est pas un problème. Et j'ai la Guinée qui a récupéré un territoire ici. Ce qui me plaît pas. Ils veulent tuer mon maréchal. Et Alois, il est copte, mais il est allié à personne. T'as beaucoup de comtés, toi. T'as beaucoup de duchés. On a un neveu, d'accord. Alifei, comme son papa. En soi, intelligent, herculéen et beau. Ça me va. On va dire que c'est pas le pire. Malheureusement, ça marche pas tout à fait comme ça, quoi. Parce qu'en fait, si tu veux, le problème c'est qu'ils sont pas de la du groupe culturel. Donc même si je proposais une vassalité, tu vois, je suis à moins 45. Donc il n'est pas notre vassal de jure. Vous êtes d'un autre groupe culturel. Donc déjà rien que ça fonctionne pas bien. Après, opinion, c'est que moins 3. Donc même si on passe à positif, ça sera pas suffisant. Bon, après, la différence de puissance militaire, mais je crois qu'elle est capée à 20. Donc grosso modo, on peut gagner plus 10 peut-être. Mais après, le groupe culturel, eux, ils sont mal linkés. Je vois pas comment. Le problème, c'est que mal linké, c'est une grosse partie ici. Alors, ça pose problème, quoi. Après, la culture Haoussa se répand quand même. On arrive à la répandre, mais le plus dur, c'est la religion Bori, quoi, qui est compliquée. Et il va falloir qu'on attaque par ici, hein, par contre, parce qu'il y a un moment, Salahadine, il va falloir y aller dessus, il va falloir y aller dessus, hein. Et toi, c'est quoi? C'est que la Nubie. On pourrait t'attaquer, mais je suis pas dévot et il me faut être dévot là, hein, c'est ça? Non, faut pas rencontre vertu. Bah, j'y suis pas encore. Parce que là, on pourrait faire une petite guerre. Contre lui qui a pas d'alliés. Ah, il a pas d'alliés, mais il y a 7000 troupes quoi. Et moi, enlevé de 3000, je perds énormément d'argent quand je fais ça. Hein. Promouvoir la culture, ça a été fait. Est-ce qu'on peut promouvoir la culture ailleurs? La vassalisation est possible. À la rigueur, il y a une revendication dessus. Oui, on peut faire avec la vassalisation en passant par par ça, non? Vassalisation forcée, tu veux dire? Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut... Ouais, c'est vrai que si on essaye d'influencer, peut-être qu'en augmentant le... Voilà, en influençant... Et dans ces cas-là, on va partir en pèlerinage. Est-ce qu'on peut perdre la timidité? Parce que dans ces 4-3, on a... j'ai pas l'impression que... Ah! Ah, j'ai carrément des jumeaux.
Lorsque la première contraction a commencé, je suis devenu très calme. Il n'y avait pas de place pour mes soucis antérieurs. J'étais sur le point d'accomplir l'un des plus grands miracles des esprits des arbres. Après une lutte longue mais glorieuse, j'ai mis au monde deux parfaits petits-enfants. Mes chers enfants, l'un de vous grandira pour perpétuer mon héritage et l'autre restera toujours dans son ombre. J'espère que vous vous aimerez quoi qu'il arrive. En même temps, on a un garçon et une fille. Ce qu'on appelle communément le choix du roi. Alors, la petite princesse, j'ai envie de l'appeler comme... peut-être comme une grand-mère. Gudit pour la petite fille. Gudit, ok. Et pour le petit gars, on a un grand roi qui est là. Alors, Alifei, Aboubakari. Allez, comme ça, ils auront des noms de rois. Aboubakari et Gudit. Alors, le petit gars, Herculéen, beau et génie. Ah, la petite fille est un peu moins robuste, physique avenant et génie. Mais clairement, le petit gars est pas mal. Véritable souverain donne plus 25 pour l'offre de vassalisation. Tu veux dire en érudition? Tac, 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 tac. Non, pas en érudition, en tac. Véritable souverain. Tac, tac, tac. Ah, ici, d'accord, Auguste, ouais. Après, on pourrait le faire en fin de règne. En fin de règne, ça pourrait se faire. Par contre, il va me falloir de l'argent si je veux aller chercher l'aide des esprits et obtenir, si possible, un gain important en étant devenant possédé ou comme ça ou un élément similaire. Par contre, toi, c'est quoi ça? Califat Almohade. Et ça, c'est quoi? Emirailis, d'accord. Va falloir que je crois qu'il fait partie de. Est-ce que ça fait partie de l'Afrique, ça? Unifier l'Afrique. Toc. Est-ce que ça fait. Ouais, ça fait partie de l'Afrique. Il faut aller le chercher, malheureusement. Et c'est un seul territoire, ça? Ou est-ce un seul. Ah non, c'est pas un seul territoire. Oh purée, il va falloir aller chercher des îles. C'est plus des bébés, c'est des monstres de foire. Bah, je vois pas en quoi. Je te permets pas. Oh, femme sage à 75%. Oui, bien, femme sage, très bien. Très très bien ça. Vertueux pour les buries, bori, édition, érudition plus 1. Ce qui est très très bon pour nous pour aller chercher les technologies. Et on a débloqué un premier atout. Donc moi déjà je veux l'obligation en or. On va déjà partir sur Avar, on verra si on part sur architecte ou pas. Et après on partira peut-être sur la diplomatie derrière. J'aimerais bien partir aussi un petit peu sur la connaissance pour faire... comment dire? Obtenir le trait assez intéressant quand on veut être sûr que ses héritiers soient bons. C'est pédagogue, qui est vraiment pas mal. Mais là, il me sert pas mon propos tout de suite, donc forcément, c'est un peu plus gênant. Par contre, est-ce que... Ah, mais elle est chassée, est-ce que ça me donne du... Parce que le banquet, c'est sûr, ça va me donner du stress. Mais le banquet, ça peut être pas mal. Et vivre la communion mystique. Il me faut un beau chancelier. J'avais dit un bon chancelier. La communion mystique, ça donne quoi? Conseil divin. Ça peut être bien ça. On a pris de l'érudition. Ok. Est-ce que... Attends, normalement...
Normalement, je dis bien. Ah si, je pourrais choisir, parce que si je fais ça plusieurs fois, je pourrais débloquer la pédagogie sans utiliser ça. Ça peut être pas mal, ça. Par contre, l'aide des esprits, ça va me coûter combien? Super cher, ça, cette histoire. Normalement. Et ça, c'est 300 pièces. On va faire ça pour l'instant. Bon, elle est calme, malheureusement. Je suis pas cynique, pourtant. Je suis timide, partial et ambitieux. Ok, bon, c'était une perte d'argent, c'est dommage. Bonsoir à toi, Ludo. Bon, pour l'instant, il faut qu'on remonte un peu notre économie. Il faut qu'on arrive à le tenir. Ça. Et après, on sera pas trop mal. Pour l'instant, le terme, c'est compliqué et bien de... Enfin, j'ai mes vassals qui se battent entre eux. Mes vassaux, enfin vassals, oui. Mes vassaux qui se battent entre eux. Ce qui me plaît pas des masses. Ok, par contre là, il y a une belle guerre. Et il va reprendre la Guinée. Normalement, ça devrait le faire. Il devrait pouvoir reprendre la Guinée. Ce qui me plaît, ouais, d'accord. Parce que lui, il y a un gros problème là. Ça me va. On va déjà faire en sorte que lui m'apprécie. Si la famille m'apprécie déjà, on aura un bon truc là, je pense. Par contre, il va falloir qu'on attaque à un moment. Hein. On peut pas se permettre de dormir sur nos lauriers. Clairement.